un cri qui émane de ton cœur. Il faut qu'il y ait un cri qui émane de ton cœur. Marabakosite. Seigneur, être à ton image, mon Dieu, c'est le désir de notre cœur. Le discernement. Apprends-moi à reconnaître ta voix, à savoir ce que tu dis, ce que tu fais. Oh, Seigneur, plus de toi. Seigneur, fais de grands prodiges en ce lieu, au nom de Jésus de Nazareth, alors que nous t'adorons, au nom de Jésus, nous commandons au cancer de partir à l'instant, au nom de Jésus, merveille, je commande au cancer de partir, je commande à toute forme de migraine en ce lieu de partir, au nom de Jésus de Nazareth, je commande au lien de la pauvreté de briser en ce lieu, au nom de Jésus de Nazareth, je commande. Je commande le problème de vision de guérir maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, prosterné. Nous t'adorons. Tu es merveilleux. Et notre Dieu.
Écoutez, frères et sœurs, l'onction comme l'électricité s'applique dans tous les domaines. C'est les deux éléments. Mais sur le plan naturel, c'est l'électricité. Sur le plan spirituel, c'est l'onction. Si vous connaissez comment l'électricité fonctionne, si vous savez quelles sont les applications, les avantages de l'électricité et que vous voyez l'onction, vous savez textuellement c'est la même chose. L'onction, c'est cette capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour pouvoir accomplir notre mission sur la terre. La raison pour laquelle je le dis, c'est parce que la grâce et l'onction is necessary for your journey. Sont nécessaires pour votre parcours. When it's on your life, quand elle repose sur votre vie, you do what other men cannot do. Vous faites ce que les autres ne peuvent pas faire. You achieve what they cannot achieve. Vous accomplissez ce qu'ils sont incapables d'accomplir. Tonight I pray for you. Ce soir, je prie pour vous. That grace and anointing will rest que on la you. Grâce et l'onction reposent sur vous. Tout ce dont vous avez besoin, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te montre comment éduquer tes enfants. L'onction enseigne. Les problèmes familiaux que tu traverses sont plus réels que la présence du Saint-Esprit. C'est ça que tu crois. La Bible nous dit que nous pouvons avoir le Saint-Esprit de Dieu avec nous. Le Saint-Esprit de Dieu en nous, c'est la présence. Le Saint-Esprit de Dieu sur nous, c'est la puissance. Et c'est cette puissance qu'on appelle onction. L'onction fait qu'il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de rois, il n'y a plus de chefs. L'onction vous met dans le même paquet. Et maintenant, l'onction vous dit, vous êtes sur la même ligne de départ. Et deux, trois, quatre, pam, vous partez. Quand un homme transporte la grâce et l'onction, you just see that he's favored. Vous voyez qu'il est favorisé. He wants to do business, his business is favored. Il veut entrer dans les affaires, la faveur se dépose dessus. He's in ministry, his ministry is favored. Il est dans le ministère, son ministère est plein de faveur. He wants to meet the highest person in the land, favor arranges it. Il veut rencontrer les personnes influentes du pays, la faveur lui donne l'accès. Where others cannot find a way, he finds a way. Quand les autres ne trouvent pas de voie, il en trouve toujours. Il n'y a que ceux qui développent leur muscle spirituel qui vont dominer les autres. Et ceux qui n'ont pas développé leur muscle spirituel seront assis sur simplement les gradins du stade en train de t'ovationner avec tes médailles d'or. Les moins remportent les victoires alors que ceux qui refusent l'onction sont assis sur les gradins en train de dire Alléluia alors qu'ils ont la même onction. Il y a tellement de crétins spectateurs qui cherchent des vedettes. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Il y a un ensemble d'héritages et de promesses que tu as acquises, que tu as acquis dans le Seigneur. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Mais quand tu n'as pas l'onction, que tu dis à un démon, va-t'en, il se pose la question de savoir qui tu es. En tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, tu es habilité à chasser le diable. Ça veut dire, en tant que chrétien, quand tu es chrétien et tu as l'onction de Dieu sur ta vie, tu es quelqu'un de spécial. Quand quelqu'un te serre la main, cette personne est bénie. Parce que l'onction te traverse et touche cette personne. Quand tu es chrétien, tu as l'onction de Dieu. Tu t'assieds sur une chaise et tu te lèves. Quand tu te lèves, il y a une dimension d'onction qui reste sur la chaise. De la même manière qu'après la mort d'Élisée, son onction était encore dans les os du prophète qui avait été mort. En tant que chrétien, si tu t'assois sur une chaise et quelqu'un d'autre vient s'asseoir sur cette même chaise, cette personne est bénie. Si cette personne est malade, cette personne peut être guérie seulement. Écoutez-moi, frères et sœurs, vous tous qui êtes là, le problème c'est que vous êtes trop ankylosés dans des pensées limitées. Où vous pensez que je suis une femme de ménage, vous pensez que je suis une jeune fille. Non. Quand Abraham est arrivé dans la ville de Charan, Dieu l'avait appelé quand il était en Mésopotamie. Dieu dit, va dans le pays que je te montre. Voilà ta destination. Abraham n'est pas allé jusqu'au bout. Il a marché, il est arrivé à Charan parce qu'il n'a pas totalement obéi à Dieu. Il est parti avec son père. Terak signifie retard. On peut prendre du retard parce qu'on reste collé. On n'a pas l'audace de croire qu'au-delà de ce qu'on a toujours fait, Dieu peut nous donner quelque chose de nouveau. Que dans le nom de Jésus, tu dois détacher de ton terrac dans le nom de Jésus. Que tout retard s'annule maintenant dans ta vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je viens proclamer, je ne vais pas expliquer, je viens déclarer. Tu vas discerner quand tu sortiras de ce lieu qui est terrac pour toi. Parce que tant que terrac est dans ta vie, tu prends du retard sur ton destin. Vous ne comprenez pas tout. Acceptez. Mangez.
Et vous verrez. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu ne comprends pas. Quand tu regardes cette vache noire là, comme cette petite fille a dit à son grand-papa, un grand savant en Angleterre. La petite fille, elle dit, viens papa, grand-papi, viens, on va là à l'église. Le grand-papa dit, non, il n'y a pas Dieu. Dieu n'existe pas. Dieu est ici ou c'est là. Il faisait un grand savant anglais. Un jour, la petite fille est venue de l'école du dimanche et elle a dit à son papa, ils n'ont qu'à marcher dans les prés. Ils sont allés dans les prés. Et dans les prés, là, il y avait des vaches, beaucoup de vaches noires. Alors, la petite fille a dit, remplie par l'esprit de sagesse, elle dit à son papy, dit, papy, ah, toi, tu ne crois pas en Dieu? Elle dit, non, non, je ne crois pas en Dieu, vous savez. Elle dit, papy, explique-moi un peu, comment cette vache noire-là, qui mange l'herbe verte, qui a des dents blanches et qui a du sang rouge, arrive à produire avec tout ce mélange un lait blanc? Papi dit, répète, il dit, non, papi, je demande, moi je veux comprendre. Une petite fille, il veut comprendre. Normalement, une vache noire qui a les dents blanches, qui mange de l'herbe rouge, qui a un sang, l'herbe verte et qui a un sang rouge, le résultat ne doit pas être un lait blanc. Ça devait être un lait de couleur. Mais pourquoi le lait blanc là est sorti? Le grand-père dit, ah, que lui ne comprend pas. Il dit, ah, papi, Dieu est comme ça aussi, on ne le comprend pas, on l'accepte. Tu te bats pour améliorer ta situation salariale. C'est un faux fardeau. Tu dis, mais pasteur, il faut que j'ai plus d'argent. Est-ce que c'est le fardeau que Jésus-Christ t'a donné? Tu vas continuer à avoir des problèmes si tu demeures dans ce faux fardeau. Il y a des batailles que tu ne dois pas prendre. Il y a des défis que tu ne dois pas chercher à relever. Il y a des œuvres que tu dois mener. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des œuvres que Dieu a préparées avant même que tu ne naisses. C'est par rapport à ces œuvres que se déploie l'onction dans toutes ses dimensions. Si tu fais d'autres œuvres pour lesquelles Dieu ne t'a pas créé, la Bible dit, nous avons été créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Ça veut dire que notre gène, notre manière d'être, notre façon de réfléchir, notre école spirituelle, tout cela a été conçu avec un dessein. Tu es formaté pour quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle ton destin. Le jour où vous êtes né de nouveau, God packages you with anointing and grace. Dieu dépose en vous l'onction et la grâce. And puts you on the earth to manifest that grace. Et vous met sur terre pour que vous manifestiez cette grâce. For many believers, mais plusieurs croyants never really walk in grace and anointing. Ne marchent pas vraiment dans la grâce et dans l'onction. Grace is a great blessing. La grâce est une grande bénédiction. And the anointing is the oil of God on your life. Et l'onction de Dieu, c'est son huile sur votre vie. So when you combine grace, donc quand vous combinez la grâce and anointing, et l'onction, the devil is in trouble. Le diable a des problèmes. When you combine grace, quand vous combinez la grâce and anointing, et l'onction, doors have to open. Les portes doivent s'ouvrir. Quand l'onction de Dieu vient, on peut voir, on peut sentir que l'atmosphère est différente. Maintenant, le corps humain peut répondre de différentes manières à l'onction. Elle se manifeste lorsque tu as le courage de faire le pas ou agir. C'est à ce moment que tu vois que ta foi et ta détermination manifestent cette onction-là. Elle se manifeste sous la forme de croissance d'église. Elle se manifeste sous la transformation de la vie des gens. If you are going to become anything in this kingdom, si vous devez devenir quelque chose dans ce royaume, it will not be by religion. Ce ne sera pas par la religion. But when you embrace the grace of God, mais quand vous embrassez la grâce and the anointing de Dieu of God, et l'onction de Dieu, God will take you beyond your own ability. Dieu vous emmènera au-delà de votre propre capacité. When you look at the Bible, quand vous regardez la Bible, you see people whom grace rested on. Vous voyez des gens sur qui la grâce reposait. And they do what humans cannot do. Et ils faisaient ce que les humains ne pouvaient pas you faire. See people anointing rested on. Vous voyez des personnes sur qui l'onction reposait. And they run the race that is not possible for the human body. Et couraient la course qui n'était pas possible au corps humain. So if you will become anything, donc si vous devez devenir quelque chose, you must operate in grace and anointing. Vous devez opérer dans la grâce et l'onction. L'onction de règne, l'onction de roi ne te donne pas d'avoir obligatoirement un trône physique. Non,
ça te donne de régner sur les situations, d'influencer les gens, d'élever les gens, d'établir un royaume. Mais ça requiert un effort personnel. Mais généralement, la présence est permanente, mais la puissance est temporaire. L'onction vient pour une raison bien déterminée et part. Donc il y a un pour, alléluia, il y a une raison pour laquelle Dieu te donne sa présence, Dieu te donne sa puissance. Il y a une raison pour laquelle le Seigneur te fait opérer dans le domaine du surnaturel. Ce qui empêche les gens d'entendre leur prédestiné, c'est l'égoïsme. Le fait de vivre leur vie que par rapport à eux-mêmes, de ne vivre que pour eux, de ne penser qu'à eux. La Bible dit que le cœur de ce peuple est devenu insensible. Comment est-ce qu'on reçoit sa prédestinée en ayant un cœur sensible? Que tu aies un cœur sensible. Les inquiétudes, l'amour de l'argent amènent les gens à perdre leur cœur, leur fardeau. On est tellement préoccupés à bâtir nos maisons, à construire nos vies, qu'on ne voit pas les larmes de Christ qui pleurent par rapport à une situation qui existe autour de nous. Satan nous détourne par l'amour du monde. Mais ce soir, je suis venu vous faire savoir because of the anointing, qu'à cause de l'onction and grace on your life, et de la grâce qui repose sur votre vie, you will enter where they said you will never vous enter. Entrerez là où on a dit que vous n'auriez pas accès. You will get to where they said you will never get. Vous entrerez là où on a dit que vous n'arriveriez pas. Anointing will destroy the yoke from your father's house. L'onction détruira le joug de la maison de votre père. Anointing will remove the burden from your background. L'onction va enlever le fardeau de vos origines. From tonight, may you connect with favor. À partir de ce soir, que vous soyez connectés à la faveur. Mon ami, si tu n'as pas ton prédestin, tu ne peux pas rentrer dans ton destin. Si tu n'as pas ton prédestin, quand Dieu va t'appeler, tu ne vas pas l'entendre. Quand Dieu dira ton nom, quand Dieu dira ton prénom, quand Dieu dira... Toi, je t'ai choisi pour aller guérir les malades. Mais si ton cœur est devenu insensible aux maladies du prochain, comment entendras-tu l'appel? Comment entendras-tu l'appel? Si tu regardes la misère et que tu ne pleures pas, si tu regardes la pauvreté et que tu ne pleures pas, comment Dieu te donnera-t-il les moyens pour résoudre les problèmes des pauvres? Comment Dieu t'accordera-t-il l'onction pour guérir les malades? Si le malade ne te dit rien, qu'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, le diable a détourné ton cœur de ton prédestin, mais dans le nom de Jésus, qu'il soit restauré. Certaines personnes sont déchargées maintenant des faux fardeaux. Les faux fardeaux, les faux jougs sont brisés, 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 brisés. Je brise les barrières. I'm a barrier breaker. Je brise les barrières. I'm a line crosser. Je traverse les lignes. Barrier breaker. Je brise les barrières. Line crosser. Je traverse les lignes. Barrier breaker. Je brise les barrières. Line crosser. Je traverse les lignes. Barrier breaker. Je brise les barrières. Barrier breaker. Je brise les barrières. Line crosser. Je traverse les lignes. Barrier breaker. Je brise les barrières. Barrier breaker. Je brise les barrières. Line crosser. Je traverse les lignes. Barrier breaker. Je brise les barrières. Pour le compte du campus de Cotonou, j'appelle l'impétrant Nadine Mbanda. J'entre dans ma destinée, mon héritage. Assistant pasteur, dans ma destinée, maintenant, j'entre dans ma destinée, je possède mon héritage. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée, j'entre dans ma destinée. Pour le campus de Cotonou, j'appelle Herman Féa. J'entre dans ma destinée. Acceptes-tu de toujours être soumis et d'honorer tout pasteur confirmé ou associé au sein de la famille Impact Centre Chrétien? Acceptes-tu? Herman Ferra, appelé à servir le pasteur Teddy Banda de Impact Centre Chrétien Cotonou. J'appelle ici le pasteur Teddy Banda. Nous avons trouvé, nous, conseil pastoral, nous avons trouvé dans le pasteur Teddy un passionné de Dieu, un homme rasé, un homme dévoué pour Dieu, un homme d'une extrême simplicité,
d'une extrême humilité, d'une extrême flexibilité. Le pasteur Teddy a toujours été disponible pour l'œuvre de Dieu et pour les brebis du Seigneur. Toujours. Le pasteur Teddy Banda nous a toujours été soumis et fidèles. Toujours. Je possède mon héritage. Et nous avons toujours pu nous appuyer sur lui. Nous avons toujours pu nous appuyer sur lui. Et il a su mener à bien toutes les missions qui nous ont été confiées. Et nous sommes convaincus que demain, il continuera de mener à bien la mission qui lui sera confiée. La grâce que Dieu a déposée sur ma vie à cause de ta fidélité, je déclare et je décrète qu'elle vient sur ta vie au nom de Jésus. Le manteau que Dieu a déposé sur ma vie vient sur ta vie au nom de Jésus. Ta parole aura du poids. Tu parleras, tu décréteras, les choses s'accompliront. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Les territoires où tu as été envoyé, tu régneras en tant que roi, en tant que prophète et en tant que sacrificateur au nom de Jésus. Reçois cette onction. Voici l'homme qui est l'un des piliers les plus solides et les plus stratégiques de la famille ICC. Rataki broko bokondo skuri anda brataki boskuri hende brei tokoro skuri hambara iskohanda rataki broko boskuri diki brataki ndo skuri nda rataki bokolo skuri da hendi kando fraish ki hindi conquiera et conquiert au nom de Jésus. Va et conquiere. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. La fin de cette conférence, as you go to your various locations, quand vous retournerez d'où vous venez, you will be a carrier of the grace of God. Vous transporterez la grâce de you Dieu. Will lay hand on the sick. Vous imposerez la main aux malades. You will minister to people. Vous toucherez des gens. Because the Bible says, car la Bible nous dit, these signs, ces signes, these signs, ces signes, shall follow, accompagneront them that believe. Tu nous as utilisés pour ta seule gloire. Nous ne sommes pas que des instruments. Tu nous as utilisés pour cette plateforme. Nous sommes reconnaissants, remplis de gratitude. Reçois, reçois, pour le pasteur Karambiri, pour le pasteur Mohamed, et pour le pasteur Greg, et pour le pasteur Mathieu. Pour chacun des pasteurs à impact sans chrétien, pour nos partenaires et nos amis, pour les pasteurs honorés, pour chaque membre de la famille, impact sans chrétien, reçois, reçois. Pour ICC Bruxelles, pour ICC Liège, Luxembourg, Brazzaville, Pointe-Noire, Cotonou, Dieppe, Lomé, Guadeloupe, Martinique, et Tours, et Lyon, et Rouen, et Toulouse. Reçois, reçois, pour les familles, un baptême chrétien, pour le corps de Christ, dans la francophonie, un feu a été allumé. J'annonce que nous arrivons.
communication, l'économie. J'annonce déjà dans la famille, nous annoncerons dans les arts, dans le divertissement. À Hollywood, nous annonçons dans le cinéma.